Salut les amis, bienvenue sur Stoufi Gaming. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Ark Lost Asylum pour une petite vidéo. Donc comment tamer le Mosasaur facilement. Donc qu'est-ce qu'il va falloir? Donc déjà il va falloir un dino marin. Donc pour ma part j'ai choisi le mégalodon. Ensuite il va vous falloir hop, donc bien sûr une tenue de plongée. Voilà. Des flèches narcotiques, des flèches tranquillisantes ainsi que deux arbalètes au cas où qu'il y en ait une qui casse, des narcotiques et bien sûr la tenue de plongée et pour le tamming donc des croquettes, soit des croquettes exceptionnelles ou soit de la viande, donc soit de la viande sup, de la viande de mouton ou de la viande classique, de préférence de la viande de mouton ou de la viande sup. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc après les le mosasaur, c'est qu'on va le trouver. Donc on va le trouver sur les extrémités de la map, à gauche ou à droite. Voilà, tout le long en fait. Donc de 10,90 à 90,90, tout le long à droite. Et de 10,10 à 90,10, tout le long à gauche. Il y en a également juste un peu avant le désert en bas. Et un peu en haut à droite. Voilà, donc mes deux préférences, tout le long à gauche et tout le long à droite. Donc voilà, donc là, je vais partir à la recherche d'un mosasaur et on se retrouve dès que j'en aurai trouvé un. À de suite, les amis. Voilà, les amis, donc on a trouvé notre mosasaur. Voilà, donc qui est juste en bas. La chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est que le mosasaur ne peut pas remonter jusqu'à la surface. Donc il y a une hauteur maximum. Regardez, je vais prendre l'aggro. Là, je crois qu'il est au max déjà de sa hauteur. Voilà. Donc là, vous voyez. Là, il monte un peu. Si je monte un peu. Et il est bloqué, quoi. Il peut pas aller beaucoup plus haut. Voilà, donc l'idée déjà c'est de trouver la hauteur maximum du. Voilà, regardez. Là il vient pas m'attaquer alors que je suis juste au-dessus. Donc là c'est la hauteur maximum. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, on met son dino en passif. On va l'activer le suivi pour qu'il nous suive quand même. C'est au cas où on sait jamais s'il y a du requin. Et là on va commencer le timing. Voilà, donc déjà on va lui dire pas bouger pour l'instant. Si on commence à s'éloigner, on va le faire suivre. Là, je suis à peu près à la hauteur, ouais, du requin. Vous voyez, il m'attaque pas. Donc en fait, voilà, c'est le. Une fois qu'on a trouvé la hauteur. Là, il est vraiment sur le banc de sable. Là, il est à sa hauteur presque max. Donc là, on a juste à le suivre, à lui mettre des flèches en gardant la même hauteur. Les requins vont pas l'attaquer. Ils vont venir nous attaquer à nous. On récupère son requin, c'est pour ça que je vous disais de le faire suivre. On se débarrasse du requin. Des requins plutôt. Juste là, on a la chance, on a le mosasaur qui est bloqué pour l'instant, donc on va essayer d'aller vite. Ah, il vient de se débloquer, c'est pas bien grave. Nettoyer, hop, on continue. Toujours essayer de rester toujours un peu au-dessus de lui. Se bloque dans les parois, vous n'hésitez pas, là c'est le moment à mettre toutes les flèches que vous pouvez, c'est du bonus.
Oh putain, il y a des méduses, bien sûr. C'était trop beau. D'abord la méduse, prendre le requin. C'est pas trop, laisser le mosasaur. À la limite, je vais laisser un peu le mosasaur. Tant que j'ai pas mon requin en sang, voilà. Hop. Allez, on continue la chasse. Surtout faites bien suivre votre requin. Comme ça il garde à peu près la même hauteur. Hein, voyez. Après, le plus chiant c'est les méduses et les anguilles. Hein. Après, une fois, si vous avez un bon requin, les autres requins c'est pas un souci. Et le mosasaur si vous avez la hauteur. Là. Voilà les amis, donc on a couché notre mosasaur. Donc là, c'est mon requin, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de méduse, on contrôle un peu les alentours. Donc là, deux solutions pour le tamer. Donc comme je vous disais, je vous montre les coordonnées parce que je ne vous ai pas montré les coordonnées là où je suis. Vous voyez, donc je vous disais, sur la droite, voilà, je suis en plein milieu de la droite. Donc ça, c'est cool. Donc pour le tamer, donc deux solutions. Donc soit les kibbles extraordinaires. Oula, il y a quelque chose qui m'attaque. Hop. Merde, je vous tue un coup. Oh mon azor, ça c'est mon cool. Voilà, donc je disais deux solutions pour le tamer, donc soit les kibbles, soit la viande crue, donc viande crue c'est soit viande sup, soit viande de mouton, ou soit la viande classique. Donc voilà les amis, donc on se retrouve dans quelques secondes une fois que le Mosa sera tamé. A de suite les amis. Voilà les amis, donc notre Mosasaur est tamé, donc niveau 167, parce que j'ai avec le coup de croc que j'ai mis tout à l'heure, j'étais à 70%. Donc voilà, bon après c'est pas le plus important, c'était surtout pour vous faire la vidéo, pour vous montrer comment on fait. On va regarder rapidement un peu ses stats. Alors, hop. Donc en PV on est déjà à 13 539, donc un bon sac à PV. Énergie 1320, bon faudra lui rajouter de l'énergie parce que si vous allez à fond ça consomme pas mal d'énergie. Le poids 1950, donc c'est pas mal du tout d'origine. Un porteur, donc pour aller farmer dans la mer ça peut être très utile. Et attaque 221 et une vitesse de 100%, bon ça c'est classique. J'avais fait la selle, la plateforme pour vous montrer. Bon il y a la selle normale mais il y a également la plateforme si vous voulez vous faire une petite base sous-marine pour aller farmer tranquillement et fabriquer directement. Donc là il rentre à peu près 5 fondations, hein, facile, hein, 5-6 fondations si vous voulez, si elle dépasse un peu. Voilà, donc là vous avez de quoi faire déjà un bon petit coin farming. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mosasaur. Donc pour récapituler en gros, donc surtout le plus important c'est la hauteur. Donc dès que vous avez trouvé la hauteur max sur laquelle il peut pas monter au dessus,
C'est à ce moment-là que vous commencez le timing, pas avant, parce que sinon, s'il vous chasse, si vous n'avez pas un gros dino, il va vous défoncer. Donc voilà, donc le plus important, c'est trouver la hauteur, et après, ça va tout seul, il suffit de suivre à une bonne hauteur. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et moi je vous dis à plus les amis, ciao, bye bye!